chose avec nous, Dieu. En avant ! Ailleurs. Il n'y a pas d'eau. Nous en avons assez pour la nuit. Nous restons ici. Mes hommes commencent à s'énerver. Veille à ce que l'eau soit distribuée de façon équitable. Comme tu voudras. Sache également que la colère gronde parmi le peuple. Il dit la vérité, Abraham. Dis-leur de faire du feu et de préparer la nourriture. Fais comme il te dit, Eliezer. Écoutez-moi! Vous savez ce que l'Éternel m'a ordonné, mais vous continuez de nier son existence! Vous ne croyez qu'en ces idoles! Qui a créé la terre où vous vivez? Qui a créé les montagnes, le ciel? Cette chose! Cette chose en argile? C'est l'Éternel! Le seul et unique Dieu, le seul vrai Dieu. Je vous raconte l'histoire de la création. Fermez les yeux. Avant que le monde existe, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. C'était le premier jour de la création. Puis le deuxième jour, Dieu dit, et que le firmament apparaisse au milieu des eaux.
qu'il sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Notre Seigneur appela le firmament ciel. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux s'amassent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue sèche terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bien. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, des plantes fournissant des graines et des arbres fruitiers de toutes sortes. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des lumières plein le ciel pour éclairer la terre. Qu'elles servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se remplissent de nombreuses créatures vivantes. Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, foisonnez dans les mers et sur terre !» Le sixième jour, notre Seigneur dit « Créons la race humaine à notre propre image, à notre ressemblance. » Aussitôt, il en fut ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il venait de créer. À nouveau, Dieu vit que c'était bien. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et la multitude des espèces vivantes. Le septième jour, Dieu se reposa. Et Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. Cet homme, ce fut Adam. Ensuite, Dieu endormit Adam et lui prit une côte qu'il transforma en femme. C'est pourquoi, quand l'homme quitte son père et sa mère, au moment où il épouse une femme, il s'attache à elle et ils ne deviennent qu'une seule chair. Adam appela la femme Ève. Dieu les installa à l'est du jardin d'Éden. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Au milieu de l'Éden poussait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu dit à Adam et Ève, « Vous pouvez manger le fruit de tous les arbres du jardin, sauf un, celui de l'arbre de la connaissance. Vous ne devez pas toucher à ce fruit. Si vous le mangez, vous mourrez. » Or, de toutes les créatures qui vivaient dans le jardin, le serpent était le plus rusé. Le serpent tenta Ève. « Goûte au fruit de la connaissance. Tu ne mourras pas. Tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras aussi forte que Dieu quand tu connaîtras le bien et le mal. »
Ève mangea le fruit. Et elle en donna aussi à Adam. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus, ils eurent honte. Ils essayèrent de se cacher de Dieu. Mais comment pouvaient-ils se cacher de Dieu? Il les trouva, bien entendu. Et il leur donna des tuniques pour se vêtir. Il apprit ce que le serpent avait fait. Et l'Éternel maudit le serpent. Il lui dit, « Désormais, tu marcheras sur le ventre, et tous les jours de ta vie, tu avaleras de la poussière. » Quant à Adam et Ève, il les chassa du jardin d'Éden. C'est à cause de leur désobéissance que le mal est venu troubler le monde. Caïn, le fils d'Adam et Ève, tua son frère Abel. Vous tous êtes les descendants du premier homme sur terre et de sa femme. Moi, Abraham, je descends de leur fils Seth. Et de Noé qui construisit l'arche où il resta pendant le déluge qui dura 40 jours et 40 nuits. Rappelez-vous qu'il vous a fait. Vous savez en quels termes Dieu s'est adressé à moi. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers une terre que je te montrerai. Recherche mes saintes lois de façon à ce que tu puisses vivre sur cette terre dans la droiture et la paix. Je te bénirai et je ferai de ton nom un grand nom, afin que tu demeures un exemple et une bénédiction pour ton peuple. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui oseront te maudire. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. J'ai foi dans la parole de Dieu. J'obéis à ses ordres. Vous sentez-vous capable d'avoir foi en l'Éternel? J'ai foi en l'Éternel. J'ai foi en Dieu. Tu n'as pas le droit de venir ici. Si, j'ai le droit, Eliezer, autant que toi. Mon maître et ton maître sont égaux. Oh, Lot serait l'égal d'Abraham? Sûrement pas. Le temps viendra où mon maître sera plus grand que le tien. Abraham est un imposteur. Prends garde à toi, Raban. Tu sais ce que les gens murmurent? Qu'il n'y a pas de Dieu et pas de terre. Le vieil homme est démon. Eliezer. Ce lâche t'a insulté. La violence ne résout rien. Arrête de jouer à ça. T'as compris? Que se passera-t-il? Rien. Il va me tuer si j'y vais. Tu sais comment? Porte-toi bien. Mais j'ai vu de l'herbe. Où ça? De l'autre côté de la colline, avant la vallée. Raban a dit la vérité, mon noble mari. Où se trouve cette terre qu'il nous promet sans arrêt? Maman a dit que c'était important. Approche, mon neveu. «
Dieu a été bon avec nous depuis que nous sommes là. Le nombre de nos bêtes a beaucoup augmenté. Oui, mais étant donné que les pâturages sont insuffisants, des disputes éclatent entre tes pasteurs et les miens. Il ne doit pas y avoir de différend entre nous. Tu es de mon sang et je te chéris autant qu'un fils. Le temps est venu pour nous de nous séparer. Je te laisse choisir la terre que tu veux prendre. Si tu te diriges à gauche, j'irai vers la droite. Si tu préfères aller à droite, j'irai bien sûr vers la gauche. Mon oncle. Si je t'avais donné un fils, tu ne te sentirais pas aussi triste. Ne t'inquiète pas, Abraham. Je suis avec toi. Je te récompenserai. Que me donneras-tu, Seigneur? Je n'ai pas de descendance. Je n'ai toujours pas d'enfant. Quand je mourrai, tous mes biens seront transmis à des étrangers. Regarde le ciel. Compte les étoiles si tu le peux. Aucun être humain n'en est capable. Comme aucun être humain ne pourra compter le nombre de tes descendants. Tes biens ne seront pas transmis à des étrangers. L'héritier de ta maison sera ton propre fils. Mon propre fils ? Tu crois ce que je te dis? Oui. J'ai confiance en toi. Tu sais que je ne peux te donner d'héritier. Tu veux dire que je devrais prendre une concubine? Beaucoup d'hommes prennent des concubines. Tu connais la coutume. Ce n'est pas celle que je préfère. Non. Je n'ai jamais désiré d'autres femmes que toi. Tu dis des bêtises. J'ai foi dans le Seigneur, je pense qu'il bénira notre union avec un fils. Comment? À moins que tu ne prennes une autre femme. Sarah, je n'aime que toi, je ne prendrai jamais d'autre femme. Tu y es obligée, puisque Dieu t'a promis que ton vœu se réaliserait. Oh, Abraham, je n'ai jamais eu d'autre souhait que de te donner des enfants. Je le sais. Je sais quelle souffrance a été la tienne à cause de cela. Mais, Sarah... Je ne cesserai jamais de t'aimer. Ce ne sont que de douces paroles. Des paroles sincères. Je ne prendrai jamais une autre femme que toi, Sarah. Alors je n'y comprends rien. Moi non plus. Mais j'ai foi en l'Éternel. Elle est jeune et forte. Elle te donnerait un enfant sain. De qui parles-tu, Sarah? Elle est belle à ravir. Agar? Ne la trouves-tu pas ravissante? C'est ta servante et c'est une Égyptienne. Arrête de dire des stupidités. Prends Agar, ma servante. Ne laisse pas Dieu manquer à sa parole à cause de moi. À travers elle, je t'assurerai une descendance. Je te l'offre et tu dis que ce sont des stupidités. Tu as besoin d'avoir un enfant. Plus que jamais. Va la voir. Va la voir cette nuit. Thank you.
c'est trop. Prends l'autre. 6 pièces. Mais ce n'est pas assez. 10, c'est mon dernier prix. Le tien peut-être, mais pas le mien. 7, pas plus. Non. Tu oses encore une fois me répondre? Oui, je réponds. Tais-toi. Je n'ai pas envie de me taire. Tais-toi, tu vas m'obéir, ou sinon... Quoi? Tu vas me battre avec l'enfant de ton mari dans mon ventre? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai sacrifié mon honneur dans ton intérêt, et quelle est ma récompense? Cette fille ne fait pas son travail. Chaque fois que je lui donne des ordres, elle me répond avec insolence. Cette fille m'exaspère. Le travail est trop dur, je porte un enfant. Ma femme est toujours ma femme, et tu es toujours sa servante. Tu lui dois obéissance. Agar! 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 8. Je t'en donne 8. 10. N'aie pas peur, Agar. Retourne au campement. Tu mettras au monde un garçon, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Il sera chasseur. Il combattra tous les hommes, et tous les hommes le combattront. Bien. Vas-y maintenant, pousse. Un petit effort, pousse, moi j'ai dit, pousse encore. Que ton fils te donne du bonheur, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait beaucoup d'enfants. Tu as un fils. Dieu m'a entendu. Je vais appeler mon fils Ismaël. Sarah, apporte à manger, dépêche-toi. Qui sont ces gens? Où est ta femme, Sarah? À côté, dans la tente. Elle va avoir un fils. Fils? Oui. Pourquoi a-t-elle ri quand je lui ai dit qu'elle aurait un fils? Je n'ai pas ri, étranger. Existe-t-il un miracle, quel qu'il soit, que le créateur de l'univers ne puisse accomplir?
C'est le fruit de ton imagination. Quoi? Oh, arrête, comment peux-tu plaisanter avec ces choses? Parce que c'est un bonheur auquel j'ose à peine croire. Pousse, maîtresse. Pousse. Pousse. Pousse plus fort. Pousse. Un garçon. Regardez, j'ai un fils. Un fils. Acclamez oui. Mon fils Isaac. Oui. Oui. Merci. Rendons grâce à ton Dieu, car c'est le plus beau jour de notre vie. Tous ceux qui entendront raconter cette histoire auront du mal à y croire. Existe-t-il un miracle, quel qu'il soit, que le créateur de l'univers ne puisse accomplir? Ismaël! Va-t'en, Ismaël! Va-t'en, je te dis! Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque Allez. Chose de mal? Je ne veux pas qu'il s'approche. Il a le droit de venir le voir, c'est quand même son frère. Depuis quand? C'est son frère, pourquoi le nier? C'est toi qui as de la haine dans ton cœur. De la haine envers mon fils et de la haine envers moi. Va-t'en, Agar. Jamais nous ne disons quoi que ce soit contre toi. Nous ne faisons rien contre toi et pourtant tu nous détestes. Va-t'en, sors de ma vie. Laisse-nous, Agar, obéis. Viens. Viens, Ismaël. Oh, chasse cette servante et son fils. Je n'accepterai jamais que le fils de cette esclave hérite la moitié de tes biens. Je ne veux plus la voir, ni elle, ni son fils. Je ne supporte plus qu'il vive ici. M'en aller? Mais où est-ce que je peux aller? Agar, Dieu est derrière tout ça, même si nous ne comprenons pas toujours. Où est-ce que j'irai? De quoi est-ce que je vais vivre? Je ferai en sorte que tu aies tout ce qu'il te faut. Ismaël est ton enfant. Tout ceci est l'œuvre de l'Éternel. Tu dois avoir confiance en lui. Non, ce n'est pas juste que tu préfères Isaac à Ismaël. Comment puis-je avoir confiance en ton Dieu? Celui-ci est parfait. Il n'a pas la moindre blessure. Tu peux le remettre avec les siens. Mais comment ça? Tu es prêt, mon fils?
Oui, père. Mais si tu ne prends pas cet agneau avec toi, quel animal offriras-tu en sacrifice? Allons-y, mon fils. Au revoir, mère. Que Dieu soit avec toi, mon fils. Pouvons-nous faire cette offrande à Dieu? Nous n'avons pas d'agneau. Le Seigneur lui-même nous fournira le sacrifice. Va, monte devant, je te suivrai. Restez ici. Mon fils et moi ferons cette offrande et nous redescendrons. Je manquerai de courage. Tu n'as pas le choix, père. Pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que ta foi est inébranlable, puisque tu étais prêt à offrir à Dieu ton bien le plus précieux, ton fils unique. Retourne-toi, et tu verras un sacrifice qui plaît à Dieu. Mon fils. Oh.
Isaac ne vient-il pas? Il viendra. Ah. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Oh. Comme elle est fraîche. Nous avons fait un long chemin tous les deux. Il n'y a qu'une fois où j'ai été très en colère contre toi. Je le sais. Tu l'aurais tué. Oui, je l'aurais fait. Notre fils unique. Oui. Oh. J'ai éprouvé un sentiment de colère à l'égard de Dieu. Je l'ai détesté. Voilà, je l'ai dit. Je me sens soulagée. Pourra-t-il m'accorder son pardon? Est-ce que tu en doutes? Dieu t'a parlé. Tu le connais mieux que moi. Comment peut-on le connaître vraiment? Alors que, justement, le connaître est la tâche qu'il nous a confiée. Nous devons chercher les lois de Dieu et en comprendre le sens. C'est notre devoir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivrons comme il veut et seulement là que nous... Nous pourrons être un exemple et une bénédiction pour notre peuple. Tu as fait tout ça, Abraham. Non. Non, je me suis contenté d'ouvrir la voie. Mais la durée de vie dont chaque homme dispose est beaucoup trop courte. Il incombe à notre fils et à ses fils, puis aux générations futures, de compléter cette œuvre. Abraham, je t'en prie, ouvre la tente. C'est extraordinaire de voir le jour. Prendre femme. Et je voudrais qu'il épouse quelqu'un de la famille, pas une femme hittite. Tu vas aller à Haran. N'aie crainte, je veillerai sur lui. Tu m'as mal compris. Tu t'y rendras seul. Isaac restera ici. Mais comment pourrais-je, moi, un serviteur, choisir une femme pour le fils de mon maître? L'Éternel guidera ton choix, Eliezer. L'Éternel guidera ton choix. Si par malheur il était exposé à un grave danger. Ah, que veux-tu? Père, c'est... C'est un grand voyage, n'est-ce pas? Oui. À vrai dire, je me demande si elle est belle. J'espère qu'elle le sera. Thank you.
la paix soit avec vous. À mon tour. J'ai fait un très long voyage. Je meurs de soif. Allez, venez. Nos cruches sont remplies. Tu veux de l'eau, étranger? Merci à toi. Comment te nommes-tu? Rebecca, fille de Bethuel. Mes chameaux ont soif, eux aussi. Approche-les, je remplis l'abreuvoir. Moi, je m'appelle Laban. Ton maître Abraham est de notre famille. Mon grand-père, qui s'appelait Nahor, était son frère. Alors Dieu s'est montré encore une fois un excellent guide. Avant d'arriver au puits, je me suis arrêté un moment pour prier. J'ai vu des jeunes filles qui puisaient de l'eau. J'ai dit à l'Éternel, je vais leur demander de l'eau. Elles refuseront de m'en donner si elles se méfient des étrangers. Mais si parmi elles, il y en a une qui m'en offre, ce sera elle qui sera l'élue. Et pour être certain, fasse qu'elle offre aussi de l'eau à mes chameaux. Rebecca a fait tout cela. Et elle est une parente de mon maître. Accorde-moi une faveur. Pourrais-je emmener Rebecca avec moi pour qu'elle devienne la femme d'Isaac? Oh, quel étourdi je suis! J'ai apporté des présents de la part de mon maître pour la famille Tiens, ça aussi. De la fiancée de son fils Isaac. Pour toi. Ils sont très beaux. Est-ce Isaac? Oui. Il racontait comment il m'avait remarqué. Oui, il me l'a dit. J'ai encore du mal à y croire. Tout depuis le début doit te paraître étrange. C'est vrai, un peu. Comment ça, juste un peu? Tout est très étrange. Mais je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Tu crois? J'en suis sûre. Je sais comment te remercier pour tout ce que tu m'as donné au cours de ma vie. Mais jamais, jamais tu ne m'avais donné autant de joie. Tu es satisfait de ta femme? Satisfait? Plus que ça, je l'aime de tout mon cœur, père. Je suis vraiment heureux, mon fils. Je vais me reposer sur cette pierre. Oh. Oh, c'est une très belle jeune femme. Elle est ravissante et elle est pleine de sagesse. Elle connaît énormément de choses dont j'ignorais l'existence. La sagesse et la connaissance, celles qu'acquièrent les gens des villes, sont deux qualités différentes. L'important, c'est qu'elle ait du cœur. Oh, père, c'est la meilleure des femmes. Père. 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 Eliezer. Eliezer, vite.
La paix soit avec toi, Ismaël. Mon frère. Nous avons le même père. Nous sommes frères. Il ne doit pas y avoir d'inimitié entre nous. Je t'en prie, entre. Écoutez-moi, mes enfants. Voici comment le Seigneur m'a parlé. Je l'ai gardé dans mon cœur jusqu'à ce jour. Mon peuple s'expatriera de cette terre pour aller s'installer ailleurs. Dans un pays où il sera captif. Et où il souffrira. Mais après la quatrième génération. Il reviendra ici, et Dieu leur donnera définitivement cette terre. Vos mains. Et rappelez-vous que Dieu m'a confié une mission quand il m'a adressé ses paroles au pays de Haran. Cherche les lois, afin que vous soyez un exemple pour les autres peuples. Qui vas-tu bénir, père? Isaac ou moi? Pourquoi mettrais-je Isaac au-dessus de toi, ou toi au-dessus d'Isaac? Vos coutumes seront différentes car vos chemins se sépareront. Ma bénédiction, je l'adresserai à tout mon peuple. Recevez cette bénédiction. Puisse le Seigneur vous donner à tous de la rosée des cieux et des terres grasses et fertiles, du grain et du vin en abondance. Le bâton de notre père. Merci. Merci, mon frère. Allons. Des mots très durs. Nous n'avons rien fait de mal, Esaü. Ça suffit, j'ai mené le troupeau toute la journée, je suis fatigué. Elle nous déteste. Ça suffit, femme, j'ai dit. Elles deviennent de jour en jour plus insolentes. Elles murmurent au puits, répandant des rumeurs sur mon compte. Dis à Esaü de les renvoyer. Esaü les aime bien. Et toi, tu les aimes? Non. Non? D'ailleurs, tu as perdu la vue parce que tu ne supportais plus de les voir. Et je ne supportais plus de les entendre, alors je suis devenu sourd. C'est Esaü. La paix soit avec toi, père. Mère. Et je ne reconnais pas ta voix. Ah, Esaü. J'aimerais rester seul avec lui. Je reviendrai quand vous aurez fini. Assieds-toi auprès de moi, mon fils. Mon fils, je vais bientôt mourir. N'est pas plus proche de la mort que la dernière fois que tu as prononcé ces mots, père. Tu connais ton pauvre père mieux qu'il ne se connaît. Quoi qu'il en soit, ton père est vieux et malade.
afin qu'il n'y ait pas de doute, afin que tout le monde sache que tu es l'aîné, puisque tu es sorti le premier du ventre de ta mère. Avant de mourir, je veux te donner ma bénédiction. Va dans la campagne, chasse du gibier, et prépare-moi ce mets savoureux que je préfère entre tous. Apporte-le-moi, et je te donnerai ma bénédiction. Embrasse-moi, mon fils. Ésaü a toujours été son préféré. Il n'y a rien à faire. Mais si, Jacob, il y a quelque chose à faire. Va dehors, choisis le plus beau chevreau du troupeau et apporte-le-moi. Mais... qui a appris à Ésaü à confectionner ce mets délicieux? Sa mère. Je le préparerai, tu le présenteras à ton père et tu recevras la bénédiction. Et tu seras plus puissant que ton frère Ésaü. Mais quand il entendra ma voix, il saura que je ne suis pas Ésaü. Il n'entend plus très bien, ne t'inquiète pas. Mais si jamais il me palpe le bras, il saura. Fais ce que je te dis, Jacob. C'est à ton frère. C'est son habit le plus cher et le plus somptueux. Je le garde pour lui. Sinon, il y a des chances pour que ses femmes hittites le lui volent. Jacob, donne-moi ton bras. Est-ce que c'est Jacob ? C'est Ésaü, père. Est-ce que c'est la voix d'Ésaü? J'ai fait le mets que tu m'as demandé. En si peu de temps, il y a à peine quelques heures que tu es parti à la chasse. Dieu a veillé à mon succès. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Tu n'as pas une autre bénédiction pour moi, père. Tu sais qu'il ne peut y avoir qu'une bénédiction et qu'elle est sacrée. Une fois qu'elle est donnée, nul ne peut la reprendre. Il est trop tard maintenant. Je ne peux rien. Jacob est un seigneur que tu dois servir. Ne te fais pas de reproches. Oh, mais non, si... tu as été trompé. Allons, calme-toi, père. Essaie de te reposer maintenant. Mon
j'attendrai que mon père meure. Ensuite, je tuerai Jacob. Ésaü n'osera jamais me tuer tant que notre père est en vie. Tu ne te rends pas compte du pouvoir que ces méchantes familles ont sur ton frère. Mais que puis-je faire? Il faut que tu partes d'ici. Mais pour aller où? À Haran. Tu iras dans la maison de mon frère Laban. Tu ne tarderas pas à revenir. Ésaü va se lasser d'entendre crier ses femmes et il a bon cœur. Le danger s'éloignera. Vas-y maintenant. Et que Dieu soit avec toi, mon fils. Et avec toi, mère. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Tu connais un homme du nom de Laban? Nous connaissons très bien Laban. Tu peux me dire où il habite? C'est sa fille, Rachel. Merci beaucoup. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Es-tu Rachel, fille de Laban? Oui, c'est bien moi. On est cousins, alors. Je suis Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca. Mon père sera ravi. Moi aussi. Je cours lui annoncer la bonne nouvelle. Mais ton troupeau, cousine. Si tu veux, je peux le garder en attendant ton retour. Regarde, Léa. C'est lui, Jacob. Il est vraiment très beau. Encore plus beau que ce que tu nous as dit. Combien de mules a-t-il? Oh, seulement une, je crois. Combien de serviteurs? Aucun, d'après ce que j'ai vu. C'est étrange. Tout le monde dit que son père, Isaac, est un homme riche. Et notre père, j'en suis sûre, a l'intention de le destiner à l'une d'entre nous. Et tu sais à qui? Eh bien... à moi, l'aîné. C'est une belle étoffe. Jacob, tu restes avec nous quelque temps ou tu repars? Oh, Seigneur, que la fortune sourie à toute ta famille. Je l'ai mis de côté spécialement pour toi. C'est du tissu égyptien, comme tu peux le voir. Du très beau travail, fait pour rehausser la beauté d'une jeune mariée. 5 pièces pour toi, mon Seigneur. Qu'est-ce que tu en dis, Jacob? Oui, elle est très raffinée, et le prix est raisonnable. Fais-le porter chez moi. Monseigneur est un prince. J'aurais pu marchander si tu n'avais pas été aussi enthousiaste. Je te demande de me pardonner. Je croyais qu'il te connaissait bien, et qu'il avait une trop haute opinion de toi pour essayer de te berner. Eh bien, on ne m'a pas souvent berné, je te l'accorde. Ah, mes filles sont là. Léa maîtrise très bien l'art du marchandage. Mais je crois que tu préfères Rachel. Merci. Ça a l'air d'être intéressant. Je crois que tu l'aimes. Même si c'était vrai, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de présent pour une demande en mariage. C'est exact, hélas. J'avoue que c'est très ennuyeux. Mais cet obstacle pourrait être surmonté. Comment? Comment pourrait-il être surmonté? Tu pourrais travailler pour moi durant 7 ans. Je ne te donnerai tes gages que quand tu partirais de chez moi. Tu es un homme intelligent, Jacob. Grâce à toi, je pourrais faire fructifier mes biens. Cela fera office de présent pour ta demande en mariage. Tu acceptes? Je veux bien. Tu dois vraiment beaucoup aimer ma fille. De tout mon cœur. Comme je te l'ai dit à l'instant, on ne me berne pas souvent. Encore un verre. Bois, Jacob. Merci.
dans la maison. N'enlevez pas le voile de la mariée. Puissent les dieux vous donner beaucoup de fils. Tu m'as connue durant cette nuit. Tu ne te rappelles pas? Nous sommes mari et femme. Comment as-tu pu faire ça, père? Sache qu'ils m'ont enfermée dans une chambre. J'ai pleuré, mais rien n'y a fait. Et tu m'as traitée comme une prisonnière, ta fille, ta propre fille. Tais-toi, enfant. Non, je veux parler. Tu vas obéir à ton père, oui, sors d'ici. Non. Sors d'ici, j'ai dit. Ce n'est pas la coutume dans notre pays que la cadette se marie avant l'aînée. J'aurais dû le savoir. Nous n'avons parlé que des présents pour la demande. Il n'a jamais été prononcé le nom de la promise. Je n'ai pas failli à ma parole. Au sens strict du terme, c'est vrai. Allons. Tu auras toute satisfaction avec Léa. Elle est vive de caractère, d'esprit. Elle est de belle tournure aussi. Elle sera pour toi une excellente femme. Installe-toi avec elle et donne-lui ton cœur. Tu dois chasser Rachel de tes pensées. Tu sais très bien que je l'aimerai toujours. Je la ferai partir de cette maison. Non. Tu seras malheureux, Jacob. Non, pas si j'ai de l'espoir. Tu veux Rachel aussi? Oui. Je t'offre mes services pour elle pendant 7 ans. Cela me convient. Mais tu dois jurer sur les dieux du foyer que ce n'est pas une ruse. Je ne crois pas en eux. C'est vrai, j'avais oublié. Je te le promets au nom de mon Dieu, l'unique Dieu. Tu pourras me tuer si jamais je te mens. Tu l'épouseras quand la semaine des fêtes de mariage sera écoulée. Bien, mon oncle. Alors c'est d'accord. Rachel ! Mais je ne comprends pas. Mon père t'a trompé comme il trompe tout le monde. Pourquoi n'es-tu pas en colère, Jacob ? À quoi cela servirait de me mettre en colère ? Il a ce que je veux. C'est la seule chose que je vois. J'avoue que je ne comprends toujours pas. En venant à Aran, j'ai fait un rêve. Allez. J'ai vu une grande échelle qui s'élevait jusqu'aux cieux. Hein? Les anges du Seigneur montaient et descendaient par milliers cette échelle, sans dire un mot. Alors je me suis réveillée. Je savais ce que ce rêve signifiait. Dis-le-moi. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Dieu vit parmi nous, sa créature. Il est invisible, mais il est là, parce qu'il nous voit et parce qu'il nous connaît. Alors j'ai pleuré. De honte, parce que j'avais été cruel en trompant mon frère. De haine envers moi-même. De peur aussi, parce que Dieu connaissait les secrets de mon cœur. Ouais. Alors ? J'ai fait le vœu de changer ma façon d'agir, de devenir un homme meilleur. Et Dieu s'est montré miséricordieux. Il m'a ouvert le cœur, me permettant de t'aimer. Mais tu ne trouves pas que c'était une punition, Jacob? Tu n'avais pas de présent pour la demande. C'était une épreuve. La ruse de ton père envers moi en est une autre, plus dure. Mais je ne faillirai pas à ma promesse. Certainement pas. Je t'en supplie, accorde-moi ton pardon avant que la mort ne vienne, mon fils. Oui, j'ai aimé ton frère plus que toi. Je le confesse.
ce fut ainsi, malgré ma volonté. Voudras-tu me pardonner? Il reste ton préféré encore maintenant. Oui. Oui, c'est vrai. Regarde comme je suis punie d'avoir fait cette injustice. Je ne pourrai plus jamais revoir le visage de ton frère. Plus jamais. Regarde. Même au dernier jour, je ne pense qu'à pleurer son absence. Non. Tu as peur de ton livre? Quoi? Quoi, Jacob? Hein? Mais c'est pas ça qui va faire du mal. Allons-y. On peut vraiment y aller. Oui. Bon. Allez, allons-y. Si tu veux. Allez. Que Dieu vous donne beaucoup de fils. Il n'y a pas de ruse cette fois. Très bien travaillé. Grâce à ton intelligence, nos troupeaux se sont accrus. Bien plus que ceux des autres propriétaires. Mais maintenant, il est temps de te payer pour ton travail. Il est toujours très difficile de devoir donner de l'argent. Ah, c'est épouvantable. Alors, ne me paie pas. Laisse-moi prendre une partie des troupeaux. Mais comment allons-nous faire pour partager? J'ai confiance en toi, comme toi tu as confiance en moi, mais... Dans ce domaine, la crainte d'être dupé incite à la réflexion. Des deux côtés... Il y a un moyen très simple. Tu prends les meilleurs, tous ceux qui ne sont pas tachetés, qui sont de couleur unie, et moi je prendrai les autres, ceux qui ont des taches. De cette façon, les bêtes elles-mêmes déclareront suivant leur couleur à qui elles appartiennent. Et il n'y aura pas de tromperie. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Tu ne dois prendre que des bêtes de couleur unie. Celles-ci sont à Jacob. Non, Rachel. Ils n'ont pas encore juré devant les dieux, ces bêtes sont à notre père. Tu voles ce troupeau. Tu ne vois donc pas? Ils trichent de nouveau avec toi. Ils sont en train d'emmener les bêtes tachetées dans un autre enclos pour qu'on ne puisse pas les accoupler. Il ne restera que les bêtes de couleur unie que mon père et mes frères garderont. Mais ensemble, deux bêtes de couleur unie. Un mâle et une femelle. Comment sera leur progéniture? De couleur unie? Non. De telles bêtes donneront souvent naissance à des petits avec des taches. Jacob. Je l'ai maintes fois remarqué. Et il n'y a pas que ça. Les bêtes tachetées sont résistantes. Elles sont très fécondes. Leur viande est plus tendre. Leur toison est plus douce. Et leur peau est meilleure. Tu nous as trompé! Ton troupeau a augmenté! Tu as des pasteurs et leurs femmes! Et des serviteurs et de l'or en abondance! Nous n'avons rien du tout! Ce sont vos manigances et votre avarice qui vous ont trahi, Yoreb. Pas moi. J'ai respecté le pacte que j'ai conclu avec ton père. Tu n'es qu'un parcheur! Attention! J'ai des hommes derrière moi. Plus que toi et tes frères. C'est ce qu'on verra. Ce que Jacob vous a dit est vrai.
Il a respecté le pacte qu'on avait conclu. Il est plus malin que moi. C'est un imposteur. Il nous a dépouillés comme il a dépouillé son frère. Il nous a tout volé. Et que puis-je faire? Le tuer, d'air, et reprendre ce qu'il a dérobé. Il faut le tuer. Allez. Ils les ont emmenés de ce côté. Il est venu dans la nuit avec tous ses hommes. Ils ont tout pris, le bétail, l'or, tout. Mais nous pouvons les lui reprendre. Oui. En avant! Pas de trouver un accord avec lui, tue-le, c'est tout. Tu veux peut-être me proposer un nouveau pacte, Jacob ? J'ai respecté ma promesse, tu sais que c'est vrai. Tes filles et leurs enfants. Tu voudrais qu'elles meurent au nom de leurs incapables de frères? À quoi te servirait-il d'être riche? Seras-tu satisfait quand tu verras leur sang couler sur les roches et mouiller la terre? Ça ne te servira à rien. L'ordre de rentrer à Aaron. Non. Tu oserais me désobéir? Tu oserais? Demi-tour! Allez! Maintenant, je dois aller voir Ésaü pour implorer son pardon. Je suis le serviteur de ton frère Jacob. Je t'apporte des présents de sa part. Qu'est-ce que mon frère veut de moi? Il veut te rencontrer, monseigneur. Où est Jacob? Sur la rive orientale du Jourdain, au gué de Jabok. Dis à mon frère que j'accepte de le voir demain, au gué de Jabok. Comme monseigneur voudra. Demain? Oui, maître. Il a des hommes armés avec lui. Beaucoup d'hommes. Demande à tout le monde de traverser le gué. Je veux marcher un peu. À tes ordres, maître. Attends, Jacob, je viens avec toi. Non. Non, reste avec les autres. J'ai besoin d'être seul. Je dois savoir ce que Dieu veut de moi. Mon cœur me pousse depuis longtemps à me réconcilier avec mon frère, mais... ma tête me dit d'être prudent, car ce n'est pas sans risque. Je crains pour ma vie. La tienne. Celle de nos enfants et des autres familles. Reste ici. Thank you.
Prends-le. Il te revient, Jacob. Je n'ose pas croire que tu me pardonnes, Isaïe. J'étais là quand notre mère s'est éteinte. J'ai vu quel était son chagrin. J'ai vu le prix qu'elle a payé. Je trouve que c'est assez. Prends-le. C'est un manteau magnifique, père. C'est beau, n'est-ce pas? Regardez comme il est beau, regardez. Touchez les tops. Benjamin, viens dans mes bras. Ah, qu'est-ce que tu en dis, hein? Tu n'es pas fier de voir ton grand frère avec un si joli manteau? Bien, hein? Ah. Il me va bien. Regardez comme l'étoffe est belle. Et les broderies. Regardez. Père, pourquoi accordes-tu plus de faveur à Joseph qu'à tes autres fils? Tu crois? Vous n'en croyez pas vos yeux. J'ai faim. Vous n'avez jamais vu une telle. Mais peut-être y a-t-il du vrai dans ce que tu dis, Judas. Je lui fais toujours des cadeaux somptueux. Regardez ces broderies. Alors peut-être bien que Benjamin est mon préféré. C'est mon plus jeune fils. Sa mère est morte. Mais j'ai l'impression qu'elle vit à travers lui. La vérité, c'est que je t'aime, toi et tes frères, autant que Benjamin et Joseph. Et tu ne dis que des stupidités, Judas. Regardez la finesse des broderies. J'ai fait un nouveau rêve, père, cette nuit. Hein? Tu nous embêtes avec tes rêves. Raconte-le-nous, Joseph. J'ai vu le soleil et la lune entourés de 11 étoiles qui se sont prosternées devant moi. Mon interprétation, c'est que... L'interprétation en est simple, Joseph. Je n'aime pas le rêve que tu as fait. Tu crois que ta famille va se prosterner devant toi? C'est tout à fait invraisemblable. Tu gaspilles tes forces pour rien, Ruben. Je te dis que le puits est à sec. On ne peut pas attendre sans rien faire. Il faut aller à la citerne de Sichem. Ne sois pas idiot, Siméon. Comment allons-nous faire boire le bétail? Comment allons-nous faire boire le bétail? C'est à une demi-journée de marche. Tu n'as pas plus de cervelle qu'un oiseau. Siméon! Calme-toi! Laisse-le! Arrête. Laisse le pauvre idiot se battre! Ça suffit, Judas! Regardez! Notre bien-aimé frère! Que la paix soit avec vous, mes frères! Que la paix soit avec toi, Joseph. Père m'a envoyé voir si tout allait bien. Je dois lui rapporter les nouvelles. Comme tu peux le constater, c'est la sécheresse. La sécheresse? Quelle sécheresse? Il y a de l'eau à Sichem. Tu vois, pauvre ignorant, il te donne une leçon. Il n'y a pas de sécheresse. Et ça alors? Il est à sec. Ah oui. Regarde, de la moisissure. Le puits n'est pas à sec, il est obturé par le sable des tempêtes. Je suis stupéfait par votre ignorance. Descendez dans le puits, creusez le fond, vous trouverez de l'eau en abondance. Creuse à notre place. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Laissez-le tranquille. J'ai t'arrête. Débarrassons-nous de lui. Qu'est-ce que vous faites? Débarrassons-nous de lui. Lâchez-moi. Sors-le.
va donner une leçon, puis... Des marchands d'esclaves. Joseph, où est-il? Qu'avez-vous fait de lui? Toi? Tu as tué notre frère. Je ne l'ai pas tué. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais eu à le tuer. On a vu un marchand d'esclaves qui passait par là. Il allait en Égypte. Non! Judas, enfin, que diras-tu? Que diras-tu à notre père? Une bête sauvage a attaqué notre pauvre frère. Elle a emporté son corps pour le dévorer. Tout ce que nous avons trouvé, c'est ça. Non. Aurais-tu l'intention de trahir tes frères, Ruben, pour défendre cet insupportable enfant gâté? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? C'est la vérité, père. Allez, avancez. Avancez, plus vite que ça. Avance. Mettez-les tous ensemble. L'Égypte. C'est une rareté, Seigneur Petitphar. Une rareté. Il est hébreu. Il vient d'une tribu de bergers des collines du Nord. Il a l'intelligence vive. Il est vigoureux comme tous ceux de son peuple. Il fera, j'en suis sûr, un excellent esclave une fois que son immense orgueil aura pu être rabaissé. Une rareté, en effet. Il est bien connu que ce peuple de bergers des collines du Nord répugne à vendre les siens comme esclaves. Et la paix est instaurée dans le Nord. Cet homme n'est donc pas un prisonnier de guerre. Comment l'as-tu obtenu? Je l'ai acheté à ses propres frères. En as-tu la preuve? Je trouve cela très étrange. Je n'achète pas cet hébreu si j'ai un doute sur le titre de propriété. Voici l'acte de vente. Là, ce sont les marques de ses frères. Et comment puis-je en être sûr? C'est la vérité, Seigneur. Ce sont mes frères qui m'ont vendu. Ce sont leurs marques. Un esclave qui parle. Qu'as-tu acheté, mon cher mari? Quelque chose de très rare. Un hébreu. Il est plutôt joli garçon. J'espère que ce n'est pas une erreur. Allez, par ici! Allez, plus vite! Fais attention, il ouvre! Allez, emporte-moi ça! Attention, en dessous! Poussez-vous! Ne touche pas, j'arrive!
honnête. Seul un pauvre idiot les aurait gardés. Pour toi, c'est une mise à l'épreuve. Donc, tu n'es pas idiot. Cela ne prouve pas que je sois honnête. L'honnêteté est écrite dans les yeux d'un homme. Ce vin est infect. Il a le goût du crottin de cheval. Maître, j'ai remarqué que le vin était entreposé à l'extérieur. En effet. Il est exposé à une forte chaleur. C'est peut-être pour cela qu'il est si mauvais. Mmh. Je suis le capitaine des gardes du pharaon, le seigneur et maître de ce beau pays. Il exige énormément de moi, ce qui me laisse très peu de temps pour m'occuper de la bonne marche de ma maison, de la gestion des comptes de mon domaine. Quel travail faisais-tu avant que tes frères ne te vendent ? J'étais berger, comme tous les miens. Je gardais les moutons et les chèvres de mon père. Mais ce que je préfère, c'est étudier. Étudier ? C'est bien. C'est très bien. Va en cuisine, mes servantes te nourriront. Maître. Joseph, pourquoi tes propres frères t'ont-ils vendu ? Ils étaient jaloux de moi. Non, je suis injuste envers eux. J'ai attisé leur colère, j'en suis en partie responsable. Va maintenant. Il semble que j'ai fait une affaire. Il sait lire, écrire, ainsi que calculer, et il est honnête. Une affaire ? Si tu le crois. Je dois les vendre aujourd'hui, mais je n'en retirerai rien. Ils sont nombreux, mais ils n'ont pas de laine. Et leur viande n'est même pas bonne pour les chiens. En ce qui concerne les chèvres, leur peau est inutilisable. Et elles ne donnent pas de lait. Pourtant, les pâturages sont excellents, les meilleurs qui soient. C'est un problème de reproduction. Si mon maître achetait de beaux béliers, le troupeau s'améliorerait. Et les bénéfices augmenteraient. Auparavant, le seigneur Putifar ne gagnait presque rien avec ses troupeaux. Alors dis-moi, quel est ton secret ? Je connais des hommes qui paieraient un bon prix pour le connaître. Tant que je suis l'esclave de mon maître, ce n'est pas à moi de le vendre. Écoutez-moi, vous tous qui appartenez à ma maison. À partir d'aujourd'hui, je confie à Joseph la bonne marche de mon domaine. Vous lui obéirez en toutes choses, comme vous m'obéissez. Je lui donne ce que j'ai, tout ce que j'ai, pour qu'il puisse commander et diriger à sa guise. Il ne rendra de compte à personne, sauf à moi. Est-ce bien compris ? Oui, Seigneur. Joseph, mon époux est au palais. Les servantes ne diront rien. Attends quelques instants, puis viens me rejoindre. Non, je ne peux pas. Désolée. Sais-tu que tu es vraiment très beau, Joseph ? Exceptionnellement beau. Je ne dois pas être la première à te le dire. Peut-être pas. Et toi ? Il ne t'arrive jamais de désirer une femme ? Bien sûr que si. Je t'en supplie, maîtresse, ne continue pas dans cette voie-là. Tu crois que tu peux me défier parce que tu as les faveurs de mon mari ? Tu es encore un esclave, je peux te détruire d'un seul mot. Alors fais-le. Je préfère cela plutôt que de trahir mon Dieu et mon père. Joseph. Attends, ne pars pas. Je te demande pardon. Excuse-moi de m'être mise en colère. Parle-moi un peu de ton père. Il s'appelle Jacob, je crois. Oui. Il est âgé maintenant. Mais toujours fort. L'esprit et l'œil vifs. Il connaît Dieu et le respecte mieux que personne. Depuis ma tendre enfance, c'est ce qu'il cherche à me transmettre. Il a réussi, il me semble. Cette séparation doit être dure à supporter pour toi. Oui, très dur. Très. Je l'aime de tout mon cœur. Ne désespère pas, Joseph. Ne désespère jamais. Dans quelques instants, viens me rejoindre. Thank you.
t'arrive-t-il? Joseph! Joseph! C'est un mensonge! Pourquoi voudrais-tu que je te mente? N'est-ce pas là son vêtement? N'est-ce pas celui que tu lui as offert? Comment pourrais-je l'avoir en ma possession si ce que je dis est un mensonge? Il a essayé de me prendre par la force, mais voyant que je lui résistais, il a eu peur et s'est enfui en courant! Joseph! Plus vite, vous deux! Marchez plus vite! Tiens, c'est un plan! Debout! Allez, avance, reste pas là, avance! Mettez-le au cachot. Suivez-nous. Allez! Tu t'y habitueras. Au bout de quelque temps, on ne les sent plus. Tu ne devineras jamais ce que j'étais avant. Oh, non, il recommence. Ah, non. J'étais auprès de Sa Majesté. J'étais le grand échanson du roi des rois, le pharaon. Mais j'avais des ennemis. Des hommes qui enviaient ma position. Oui, du plutôt qu'ils étaient fatigués de ton babillage incessant. Ils ont lancé des rumeurs sur moi auprès du pharaon. Des mensonges. Des mensonges empoisonnés. Sa Majesté s'y est laissé prendre. Je suis innocent, tu peux me croire. Tous ceux qui croupissent ici sont innocents. Je me demande bien où est passé ton Dieu, Joseph. Un rêve très étrange. Tu peux peut-être m'aider à l'interpréter. Il y avait devant moi un cep de vigne comportant trois branches. Elles ont bourgeonné, de belles feuilles ont poussé, suivies de superbes grappes de raisins qui ont mûri. Je tenais dans mes mains la coupe du pharaon. Alors, j'ai pressé les raisins pour que le jus coule dans la coupe du pharaon. Et j'ai tendu... Silence ! Toi ! Suis-moi ! J'ai bien peur que tu ne saches jamais ce que voulait dire ton rêve, grand échanson. Voici les bêtes de mon troupeau. Je veux que tu t'occupes d'elles. En échange, tu auras des privilèges. Une chambre pour toi, de la bonne nourriture. Il y aurait peut-être un autre moyen pour que tu deviennes plus riche, maître. En tant que gouverneur, mon maître peut faire travailler les prisonniers et garder tout le profit pour lui-même. Ah oui? Pour l'instant, ils sont bien trop faibles parce qu'ils ont faim et sont malades. Mon maître n'en retire donc aucun profit. Mais si on les nourrit bien et qu'ils ont un endroit propre pour dormir, mon maître en tirera du profit. Tu oses marchander avec moi? Emmenez-le! Le pharaon découvrira ton innocence. Il te fera sortir d'ici. Cela se passera dans 3 jours. Voilà quelle est l'interprétation de ton rêve. Merci beaucoup, Joseph. Très bien. Je veux obtenir du profit rapidement. Il est à toi. Tu vas pouvoir le porter. Si je peux nettoyer celui-ci, je préférerais le garder, maître. Pourquoi? Ainsi, mon maître n'aura pas à me rejeter à cause de ma vanité. Trois jours exactement. Alors dis-moi, Joseph, d'où tiens-tu le pouvoir qui est le tien? Je te souhaite le meilleur, mon ami. Ne m'oublie pas.
Je te rétribue pourquoi ? Je te rétribue pour que tu interprètes les rêves que je fais, de façon à ce qu'ils cessent de me hanter, de me torturer et de me voler un sommeil si précieux. Cependant, tu ne peux rien me dire sur ce rêve. Pourquoi ? Majesté. Silence ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! J'ai rencontré une personne qui sait très bien interpréter les rêves. Peut approcher Sa Majesté. Relève-toi. Il paraît que tu sais interpréter les rêves. Quelquefois, Majesté, c'est Dieu qui décide. Voici le rêve que j'ai fait. Cette vache s'en revenait d'une île où elles étaient allées se désaltérer. Elles étaient belles de forme et se sont mises à paître dans les forêts. Ensuite s'en revinrent d'une île sept autres vaches. Elles étaient vilaines de forme. Je n'en avais jamais vu d'aussi maigres dans le pays. Leurs yeux étaient méchants. Et c'est alors que ces vaches maigres vinrent se placer près des vaches grasses. Elles plantèrent leurs vilaines dents dans la chair des sept belles vaches. Elles les dévorèrent et broyèrent leurs os. Et enfin, elles lapèrent leur sang avec leur langue. Je t'écoute. Voici l'interprétation. Les sept vaches grasses représentent sept années d'abondance. Les sept vaches maigres représentent les sept années de famine et de sécheresse qui suivront. Toutes les réserves des années d'abondance seront consommées comme les vaches maigres ont consommé les grasses. Alors l'Égypte sera affamée. Sa Majesté a la possibilité de sauver son peuple de la famine. Comment ? Durant les sept années riches, il faut prélever un cinquième des récoltes et le mettre en réserve. C'est impossible. Il faudrait construire d'immenses entrepôts et poster des gardes devant, des milliers d'entrepôts. De plus, je connais bien mon peuple, tout le monde tricherait, tout le monde. Cela peut être fait, Majesté. Il faut trouver un homme intelligent, rempli de sagesse, efficace et qui est les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Toi, tu as le pouvoir d'interpréter les rêves que l'on fait. Quel artifice utilises-tu ? Oh, aucun, Majesté. Ce pouvoir est le pouvoir de mon Dieu. Moi, je n'en ai aucun. Sa Majesté a raison. Ce n'est pas possible. Je me demande. En tant que ministre de Sa Majesté, je sais que c'est tout à fait impossible. Putiphar, dis-moi ce que tu sais sur cet homme, Joseph.
cet homme qui est là. Je donne les pleins pouvoirs sur l'Égypte. Vous devrez lui obéir. Pour le prouver, je lui donne cet anneau qu'il portera toujours à son doigt. Désormais, il portera le nom de Safnat Panea. Il est votre maître après moi. Mettez-vous à genoux devant lui. Nous sommes allés au-delà de Sichem. Il n'y a plus rien. Les puits sont secs. La rivière est sèche. Il faut que vous alliez en Égypte. Tous ensemble. Ils ont de la nourriture que vous pourrez acheter. Mais à quel prix? Le prix est sans importance, Judas. Nous avons beaucoup d'or. Et on ne peut pas le manger. Tu as la langue bien pendue, Benjamin. Et prompte à dire n'importe quoi. Attends de me voir marchander avec les Égyptiens, Siméon. Tu ne viens pas avec nous. Tous ensemble, a dit notre père. Pas toi, tu es trop jeune, Benjamin. Je suis peut-être plus jeune que mes frères, mais je suis deux fois plus intelligent. Je veux que tu restes ici. Père, tu es trop indulgent avec lui. Seigneur Safnat Panea, mon peuple a faim. Je te supplie de me vendre de la nourriture pour qu'il puisse vivre. L'échange est-il correct? Oui, il l'est, Seigneur. Alors tu peux acheter, selon tes besoins. Sois remercié, Seigneur, pour ta bienveillance. D'où venez-vous? De la terre de Canaan, dans le nord. Seigneur Safnat Panea. Vous avez l'air d'espion. D'espion, Seigneur? Oui. D'espion qui viendrait voir si ce pays connaît la prospérité ou est en proie à la famine. Voir si l'Égypte est forte ou faible. Non, Seigneur. Nous sommes honnêtes. Nous sommes les fils de Jacob. Il y a la sécheresse dans le nord. Nous sommes venus acheter de la nourriture pour notre peuple qui meurt de faim. Nous avons de l'or. Les bergers des collines ne meurent jamais de faim. Ils sont trop rusés. Vous devez être des espions. Non, Seigneur. Je jure que nous sommes d'honnêtes bergers. Est-ce que votre père, Jacob, est encore en vie? Oui, Seigneur. Combien de fils a-t-il? Il en a 11, Seigneur. 11, dis-tu? Je n'en vois que 10. Le dernier de nos frères s'appelle Benjamin. Trop jeune pour un aussi long voyage. Oui, je vois. Vous aurez de la nourriture, juste assez pour assurer les besoins immédiats de votre peuple. Vous devrez ensuite revenir en Égypte. À ce moment-là, pour prouver votre honnêteté, vous amènerez votre jeune frère avec vous. Toi, quel est ton nom? Siméon, Seigneur. Saisissez-le. Je le garde ici par mesure de sécurité. Si vous ne revenez pas avec le plus jeune, il mourra. Qu'est-ce que tu fais? Il ne nous reste plus rien à manger. Il faut que nous fassions un peu de pain. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il nous faut toutes nos forces. Ruben, c'est l'or qu'on a donné. L'un des Égyptiens a fait une erreur.
Non, mes fils, pour moi, ce n'est pas une erreur. Ce Safnat Panea l'a fait exprès pour vous traiter de voleur. C'est un piège. Je n'enverrai pas Benjamin. Écoute-moi, père. Silence. Mon frère Siméon mourra si tu ne m'envoies pas en Égypte. Mais si j'accepte, et que cet Égyptien te fait du mal, alors ma tête chenue descendra tout droit au séjour des morts. Mes frères me haïssent parce que tu m'as toujours préféré à eux tous. Si tu refuses, ils me haïront encore plus. Tu dois m'envoyer là-bas. Tu le dois. Seigneur, le festin a été préparé selon tes ordres. En ce moment, ils mangent. Sans grand appétit, je dois dire, excepté le plus jeune. Ça aussi, c'est bon. Oui, très bon. J'y ai déjà goûté. Levez-vous, levez-vous. C'est lui le plus jeune ? Oui, c'est Benjamin, seigneur. Oui, il ressemble assez à ses frères. Vous ne m'avez pas trompé. Une erreur a été commise lors de notre dernier passage. Oui, je le savais. C'était une erreur. C'est dans ma propre coupe que tu bois, Benjamin. Elle est très belle, seigneur. Je n'en ai jamais vu de pareille. C'est le pharaon en personne qui me l'a offerte. Non. Vous avez prouvé votre honnêteté. Prenez la nourriture qu'il vous faut et allez en paix. Mes frères, continuez à manger. Maintenant, j'ai faim. Appréciez. Mes frères. Oh, Siméon. Mon frère. On a réussi, c'est père qui va être content. Qu'est-ce que c'est ? Ainsi, vous récompensez la générosité du seigneur Safnat Panea en le volant ? Vous rendez le bien par le mal ? Mais... Je le jure, seigneur ! Je le jure sur le dieu de mon père, nous n'avons rien fait ! Nous sommes innocents ! C'est vrai, seigneur ! Toi, c'est possible. Ainsi que tes frères. Mais le plus jeune, comment pourrait-il être innocent ? Seigneur, je jure que je le suis. Alors qui l'a dissimulé ? Mes serviteurs ? Moi ? Qui ? L'affaire est entendue. Judas, toi et tes frères rentrerez dans votre pays avec tout ce que vous avez acheté. Mais le plus jeune deviendra mon esclave. Oh, mon Dieu, non, Seigneur. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, laisse partir Benjamin. Prends-moi à sa place. Quand mon père l'apprendra, il en perdra la vie. Il avait un autre fils, Joseph. Il l'a perdu. De quelle façon l'a-t-il perdu ? Dans le désert, dévoré par des bêtes sauvages. Le chagrin de notre père a été immense. Si à son tour Benjamin lui est enlevé, il se laissera mourir. C'est un brave homme, le meilleur des hommes, sage et aimable. Laissez-nous ! Tu as menti. Joseph
n'a pas été tué. Toi et tes frères l'avez vendu à un marchand d'esclaves. Ceci est votre acte de vente. La preuve écrite de votre trahison. À votre avis, pourquoi est-il en ma possession? Vous ne devinez pas. Ruben? Siméon. C'est moi, Joseph. Joseph? Je suis votre frère. Ma mère s'appelait Rachel. Mon père, Jacob, a lutté avec Dieu lui-même au gué du Yabok. Non. Je suis Joseph, Ruben. Comment pourrais-je le savoir si je n'étais pas Joseph? Non, il ne faut pas avoir peur. Je ne vous veux aucun mal. Je sais que Benjamin est innocent. Ce sont mes serviteurs qui ont placé la coupe dans le sac. Vous n'avez rien à craindre. Regardez. Regardez. Je vous pardonne. À tous. Comment peux-tu nous pardonner? C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Il m'a fait venir en Égypte pour sauver le peuple de mon père de la famine. Siméon. Ruben, tout est bien. Tout est bien. Judas. Judas. Va auprès de notre père. Dis-lui que son fils Joseph est bien en vie. Et dis-lui de venir avec son peuple en Égypte. Vous pourrez vivre ici. Pas jamais. C'est toi, père? Joseph. Oh. Mon fils. Joseph. Mon fils. Mon fils. Mon fils bien-aimé. Vous resterez tous en Égypte. Vous vivrez avec moi. Tiens, c'est à toi que je donne le bâton d'Abraham. Mon père, mes frères. Majesté, ces Hébreux seront bientôt plus nombreux que nous autres Égyptiens. Ils nous submergeront. Il est indispensable de devenir beaucoup plus sévère avec eux. Mais comment? Je les fais souffrir, ils le supportent. Je saisis leur or, ils en ont encore plus. Je les affame, ils prospèrent. Que puis-je faire d'autre? Dans chaque famille, si un enfant mâle vient à naître, il faut le prendre et le tuer. Rien ne saurait être plus efficace que cela, Majesté. Qu'il en soit ainsi. Ah!
m'appelle Amram. Voici ma femme Yorebed, mon fils Aaron et ma fille Myriam. Et ton plus jeune fils ? Dieu ne nous a pas permis d'en avoir un autre. Non ? Les voisins disent que ta femme attendait un enfant. Je vois que ce n'est plus le cas. Donc, un enfant est né. Un garçon, à ce qu'on dit. Non. Les voisins ont menti ? Les voisins n'ont rien pu dire. Je n'ai pas d'autre enfant. Parlera et les soldats le trouveront. Le là. Oui, tout de suite. C'est un petit hébreu. Nous devons le donner aux soldats de ton père, maîtresse. Immédiatement. Nous sommes tenus de le faire. Quel magnifique petit garçon. Dès que je l'ai pris, il s'est arrêté de pleurer. Je le garde avec moi. Le pharaon a donné des ordres. Qui mieux que sa propre fille peut désobéir à ses ordres? Mais comment pourras-tu le nourrir, maîtresse? Je paierai une nourrice, bien sûr. Princesse! Toi, qui es-tu? Comment oses-tu venir ici, fillette? Ne sais-tu pas que c'est interdit? Je connais une femme qui peut nourrir cet enfant. Elle est de son peuple. Es-tu sûre qu'elle voudra le nourrir? J'en suis certaine, princesse. Très bien, je la paierai. Elle aura ma protection. Princesse, tu es très bonne. Il y a une condition, cependant. Lorsque cet enfant sera assez grand, tu me le ramèneras au palais. Il vivra avec moi et sera considéré comme mon fils. Sachant cela, crois-tu que cette femme voudra tout de même être sa nourrice? J'en suis certaine, princesse. C'est entendu, alors. Je lui donne pour nom Moïse, parce que je l'ai retiré des eaux. Il eût mieux valu qu'il meure. Père! Quant à toi, Myriam, partir comme ça sans un mot, nous étions fous d'inquiétude. Je connais parfaitement ton cœur. Il est tendre et rempli d'amour. Lorsque viendra le temps d'emmener cet enfant au palais, tu seras totalement désespéré. Tu ne t'en remettras pas. Tu es un homme bon, Amram. Tu pries chaque jour et tu aimes Dieu. Mais tu ne le connais pas. Je vois là sa volonté. Cela ne peut t'apporter que du chagrin, que de la douleur. Princesse, le petit Moïse est ici.
quel beau petit garçon tu fais. Tu vas vivre ici avec moi, Moïse. Je n'ai jamais eu d'enfant, alors tu seras mon fils. Je t'aimerai et prendrai soin de toi comme une mère. Je te le promets. Moïse, tu es convoqué par ta mère, je crois. Oui, Majesté. Viens me voir tout de suite après. Je viendrai, Majesté. Bien. La ressemblance est parfaite. C'est impressionnant, Majesté. Mais le temps n'aura-t-il pas une influence néfaste, ainsi que la pluie, le vent ? Nous avons utilisé la pierre la plus solide et la plus durable pour cette statue, Majesté. Suffisamment solide pour durer 1000 ans ? Pour durer 10 000 ans, Majesté. Comment puis-je rester silencieux, alors que sous mes yeux, le pharaon persécute et réduit en esclavage tout un peuple qui est celui auquel j'appartiens ? Non ! Mère, je sais que tout ce que j'ai, c'est à toi que je le dois. Mais comment puis-je oublier que je suis hébreu de naissance et que j'ai un frère plus âgé et aussi une sœur qui sont hébreux. Je veux que ce soit une aura identique. Relève-toi ! Debout ! Debout ! Il est mort. Que se passe-t-il là-bas? Il est mort, Majesté. Quelle est la main coupable? Moïse, es-tu fautif? Je voulais seulement lui donner une leçon, Majesté. Quelle leçon? Que la vie d'un Égyptien vaut bien moins que celle d'un Hébreu? Cela ne peut pas rester impuni, Majesté. Moïse a toujours joui des bonnes grâces de Sa Majesté, mais il n'est pas au-dessus des lois. Il a tué un homme. La loi, Majesté. Oui, oui. Arrêtez-le! Attrapez-le! Allez, allez! Ne le laissez pas s'enfuir! Les bêtes galeuses n'ont rien à faire près de ce puits. Faites-les partir immédiatement. Sinon, elles sont à nous. Cela nous paiera pour toute l'eau qu'elles ont bu. Mon père a déjà payé votre seigneur pour l'utilisation de cette eau. Il a payé une certaine somme, c'est vrai. Mais elle n'est pas suffisante. Il a payé ce qui était convenu entre eux. Mon père accepterait peut-être de payer plus, mais il faudrait qu'un accord soit conclu. Va-t'en tout de suite, jeune fille. Où il se pourrait bien que l'on prenne plus que les bêtes. Mon ami aime beaucoup la chair fraîche, est-ce que tu comprends? Je ne pourrais pas l'arrêter, il est bien trop fort. Fort comment? Cela. Dis à ton père, Jethro, que mon seigneur exige un meilleur prix pour l'utilisation de l'eau.
Mes sœurs et moi-même te sommes très reconnaissantes. Comment t'appelles-tu? Tzipora. Tzipora. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps. Très longtemps. Ta destination est lointaine? Je n'avais pas de destination. Jusqu'à cet instant. Il y avait une époque où ce petit seigneur aurait rampé devant moi. Il se serait prosterné. J'étais le grand prêtre de la terre de Madian. J'avais le droit de vie et de mort sur tout mon peuple. Tu as fait preuve de ruse, hein? La pierre que tu as brisée, c'est par la ruse, pas par la force. Oui. Tout n'est que ruse. Mais je te suis très reconnaissant. Mes filles me sont très précieuses. Elles sont toute ma richesse. Désormais, c'est tout ce que je souhaite en matière de richesse. C'est la vérité. Mon père était riche autrefois. Je me souviens de la belle maison dans laquelle nous vivions, du temple où il officiait, des idoles, de l'or et des pierres précieuses que les fidèles apportaient en offrande. Et pourquoi a-t-il renoncé à tout cela? Lorsque notre mère est morte, il a compris que les idoles qu'il adorait ne valaient rien, que ces dieux-là n'avaient aucun pouvoir. Il a raison. Les idoles ne valent rien. Mais il y a bien un dieu. Rien n'est moins sûr. Il y a un ordre établi dans le ciel, Jethro. D'où vient-il? Il ne peut venir que de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut savoir d'un Dieu assez puissant pour créer tout ceci? Rien du tout. Celui qui se veut sage et qui désire vivre en paix doit se contenter de l'amour d'une femme. De la joie d'avoir une famille. Et de la liberté que nous offrent les collines. De mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je vais le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers une terre ruisselante de lait et de miel. Je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Mais qui suis-je pour pouvoir accomplir cela? Je serai avec toi. Si je vais vers ton peuple et que je lui dis c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous et qu'il me demande quel est le nom de ce Dieu. Que leur répondrai-je? Je suis qui je suis. Mais ils ne me croiront peut-être pas. Ils ne m'écouteront pas. Il se peut qu'ils me disent
Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Le bâton que tu as à la main, jette-le à terre. Étends la main et prends-le par la queue. Avec ce signe-là, ils te croiront. Je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la bouche et la langue lourdes. Je serai avec toi. J'aiderai ta bouche et t'enseignerai ce que tu devras dire. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Envoie quelqu'un d'autre. Je vais t'envoyer ton frère, Aaron. Il parlera pour toi. Il n'y a plus aucun danger, père. L'ancien pharaon est mort. Et sa fille également. C'est elle qui m'a retiré du Nil. Je l'appelais mère. Elle est morte. Il faut que je parte. Elle en va. Moïse. Moïse, mon frère. Le bâton d'Abraham. Tu me demandes de laisser ton peuple sortir du pays. Tu dis que c'est ton Dieu qui t'a ordonné de le faire. Tu dis qu'il est puissant. Prouve-le. Montre-moi un signe de sa puissance. Prends le bâton, Aaron, et jette-le à terre devant toi. Mais...
C'était une ruse, Majesté. Un tour de passe-passe. L'animal est drogué pour le rendre docile. Observe, Majesté. Le magicien a fait un mouvement, comme ceci, avec sa main gauche. C'est une ruse, Majesté. Vous êtes des magiciens de pacotille. Votre dieu n'a aucun pouvoir. Je refuse ce que vous demandez. Toi et ton peuple en subirez les conséquences. De terribles conséquences. Un fléau va s'abattre sur ton pays, Pharaon. Une plaie qui affectera toute cette terre. Regardez tous. Un miracle de Dieu. Ah ! Tu vas connaître la colère de Dieu. Encore de la sorcellerie, Moïse ? Prends le bâton à Aaron, et avec le bout, frappe-en les eaux du Nil. Regarde, Majesté, ce n'est pas du sang. C'est du sable. Rouge. Si tu ne laisses pas sortir mon peuple d'Égypte pour qu'il puisse vénérer Dieu l'Éternel, alors ce dernier enverra des milliers de moustiques sur toi et sur ton peuple. Alors, quelle est ta réponse à cela? D'abord, le Nil est devenu rouge sang. Ensuite, sont venues les grenouilles. Majesté, cette plaie est la conséquence de la première. Puis les moustiques et enfin la vermine. Nos dieux sont plus puissants. Majesté. Je ne laisserai pas partir votre peuple. Je ne laisserai jamais partir. Alors écoute ce que Dieu a à dire. Au milieu de la nuit, je traverserai l'Égypte. Et tout premier-né dans ce pays mourra, depuis le premier-né de la servante qui est à la meule, jusqu'au premier-né du bétail. Et même le premier-né du pharaon qui doit s'asseoir sur son trône mourra. Il y aura un grand cri dans tout le pays tel qu'il n'y en eut jamais auparavant. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Au coucher du soleil,
Vous prendrez un rameau d'hysope. Vous le tremperez dans le sang d'un agneau. Vous toucherez le montant des portes Zelardo de cette façon. Dieu passera par-dessus vos maisons et le fléau destructeur ne vous atteindra pas. Il faut les poursuivre, Majesté, les détruire tous. Je ne peux pas. Mais si, voyons. Ils marchent à travers le désert et se dirigent vers la mer. Vers la mer? Oui. Les fous, c'est un piège, ils ne le savent pas. De leur dieu. Comment pourront-ils lutter contre la puissance de nos armées? La vie de ton jeune fils a été enlevée. Elle réclame vengeance. Il faut les tuer tous. Majesté. Thank you.
Moïse. Combien sont-ils, Josué? Une grande armée. Il faut retourner dans le désert et se battre à découvert. C'est notre seule chance. Si nous restons le dos à la mer, nous sommes perdus. Les dieux d'Égypte sont puissants eux aussi, très puissants. Leur vengeance sera terrible. Ils nous détruiront. Le pharaon saura se montrer clément envers nous tous. Il nous épargnera. Nous pourrons repartir dans nos villages. Suivez-moi ! N'écoutez pas cet homme ! Croyez en Dieu ! Reste avec moi, Aaron. Dieu nous a chargés de cette mission ensemble. Ne partez pas ! Croyez en Dieu ! Il nous délivrera des griffes du pharaon ! Et voilà ! Tu as raison.
armée attend tes ordres, Majesté. Nous devons les poursuivre. Tu dois te venger. Toute l'Égypte réclame vengeance. Donne l'ordre de les poursuivre. Avancez! Oui. Oui! Détruisez-les tous! Dépêchez-vous, plus vite! Tu as cru en Dieu quand il n'y avait aucun espoir. Quand les autres ont tourné le dos, quand tout n'était que désespérance, tu as gardé la foi. Parler des prodiges que tu as accomplis en Égypte avec ton frère. Notre histoire est parvenue jusqu'ici. Elle va faire le tour de la Terre. Tu n'étais qu'à supercherie, Jethro. Ce n'est pas possible autrement. Je me demande... Oui ? Les lois que nous édictons nous-mêmes sont des choses fragiles, superficielles, qui périssent très vite. Mais des lois qui nous viendraient de Dieu. De Dieu, Jethro ? Oui. De telles lois, venant de Dieu... durerait pour l'éternité.
Je dois y aller seul. N'oublie pas, personne ne doit approcher la montagne. Personne. N'aie pas peur, Moïse. Mon frère, j'ai tellement peur d'échouer. Si tu ne te trouves pas à mes côtés. Allons lui parler. Que veux-tu? Où est Moïse? Pourquoi n'en revient-il pas? Il reviendra. Le dieu auquel il croit l'a abandonné. Il s'est enfui, il nous laisse à son tour. Non. Maintenant, les dieux de l'Égypte vont se venger. Taisez-vous! Dieu a creusé un sillon dans la mer pour que nous puissions passer. Il a fait jaillir de l'eau claire et pure de la pierre pour que nous ayons toujours à boire. Il nous a envoyé la manne du ciel pour que nous ayons toujours à manger. Toutes ces preuves de sa puissance ne te suffisent donc pas? Où est passé Moïse? Où est-il? Tu ne le sais pas, hein? Ils ne peuvent pas répondre! Moi, je dis qu'il faut ériger une idole pour apaiser les dieux d'Égypte, sinon ils nous détruiront tous! Non! Attendez! Non! Écoutez-moi! Attendez! Où trouverez-vous l'or pour faire votre idole? Les gens nous donneront ce qu'ils ont. Quand tu en auras suffisamment, viens me voir. Ce n'est pas correct. Ne t'inquiète pas, ils ne vont jamais vouloir abandonner leur or. Cela me laisse du temps. Aaron, tu dois y mettre un terme. Tu dois y mettre un terme. Et la loi de Dieu l'Éternel, le Dieu que vous avez renié. Seigneur, quel peuple entêté que celui-ci.
Du plus profond de mon âme, je te demande de nous pardonner nos fautes et nos péchés, pour que nous puissions recevoir ton héritage. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te supplie de leur accorder ton pardon. Si je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux, efface-moi du livre que tu as écrit. Voici les commandements de Dieu. Tu n'auras jamais d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, sur terre ou dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Tu observeras le sabbat, qui sera un jour sacré. Tu travailleras durant 6 jours, mais tu te reposeras le 7e, le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni ses serviteurs, ni son troupeau. Rien qui lui appartienne. Josué, pourquoi avons-nous erré pendant 40 ans dans le désert ? Parce que notre peuple s'est rebellé contre le Seigneur. Oui, notre peuple a péché. Moi aussi, j'ai péché. Lorsque notre Seigneur m'a parlé, à Madian, lorsque le buisson brûlait mais ne se consumait pas, là j'ai douté de lui. C'est pour cela qu'il te punit maintenant. Oui. Ce n'est que justice. Je l'accepte. Je ne peux pas continuer avec vous. Mais qui nous guidera? Non. Je n'en suis pas digne. C'est la volonté de Dieu, Josué.